Et dans ce contexte de 129 établissements d'enseignement scolaire accueillant près de 128 600 élèves ont été fermés après la découverte de cas positifs à la Covid-19. Des chiffres communiqués ce mardi par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saïd Hamzazi.